Hello les amis, aujourd'hui vidéo très importante. Je suis en train de faire des commandes de clients et je me suis dit bah pourquoi pas vous montrer comment on écrit les commandes pour le Vietnam. Donc vous savez au Vietnam, comme je vous dis toujours, c'est vous-même qui composez vos perruques et consorts. Donc chaque alcoolade constitue une perruque. Par exemple, là on va faire avec la vidéo, vous voyez? Regardez bien la couleur, c'est du gris. Et au niveau de la taille, il faut avoir de l'expérience. Hein. Moi, je sais c'est quoi. Par exemple, ce qu'il tient dans la main, voilà comment ça s'écrit. Il a pris une boule de 8 pouces, une boule de 6 pouces. Il a pris une closure 2 par 4. Ça peut être du 2 par 6, mais on prend du 2 par 4 de 8 pouces. La couleur s'appelle Ambré Grey. Et pour la texture, c'est du Bond Street. Et le client veut deux perruques comme ça. Vous voyez? Quand j'écris wig, c'est wig. Par exemple, on va regarder cette perruque-là. Vous voyez ça? Cette perruque ici, voilà comment c'est. Pourquoi la vidéo part pas, en tout cas. Anyways, ça par exemple c'est une Bond Street, voilà. Regardez ça ici, vous allez voir la closure, tout ça. Voici comment on a écrit une boule de 8 pouces, une boule de 10 pouces, parce que ça m'a l'air d'être une perruque de 10 pouces. Sauf si je me trompe, souvent c'est compliqué de voir la taille avec les vidéos. Mais moi j'ai pris ça en 10 pouces. Donc une boule de 8 pouces, une boule de 10 pouces. Toujours important de prendre ces boules en escalier quand vous voulez faire des bobs, ou des coupes carrées. Et au niveau de la closure, vous avez vu au niveau de la devanture, c'est une 5 par 5. Vous allez voir, c'est une 5 par 5. Je sais comment c'est fait le 5 par 5. Donc je mets ici 5 par 5. Au niveau de la couleur, on appelle ça le ombré brown, blonde. Pourquoi? Quand on dit ombré, ça veut dire que ça commence par le noir et ça termine par la couleur initiale. Le premier, c'était le ombré gris. Vous allez voir, ça commence par le noir et ça termine par le gris. Ensuite, on a cette perruque-là. Ça, la personne veut deux fois comme ça. Mais, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, c'est du marron. Ça, c'est pas du ombré. C'est du marron du haut jusqu'en bas. Donc, il faut noter brown et elle veut la même chose en noir. Et là, elle a choisi avec frontal. Vous voyez là, c'est une frontale. Tout ça, c'est la tuile à l'aventure. Et c'est comme ça qu'on écrit. Par exemple, pour cette perruque-là, ça, on appelle ça Bone Sickle. Vous voyez, j'ai mis Bone Sickle. Au niveau de la closure, elle veut ça en frontal, pas de closure. Sinon, ça, c'est une 7 par 7, je pense. Et au niveau de la couleur, c'est du piano brown. Vous voyez, le piano, c'est quand il y a comme. Je sais pas trop comment vous expliquer. Et au niveau de la texture, c'est du Bone Sickle. Donc voilà, ça c'est juste une commande classique d'un client.